Angola. Le master de la presse. Boca public. Boca public. Les propriétaires des dossiers récupèrent les dossiers. Le master de la presse. Aigle, sold out. Bota la ba image bino moko. Bozomo la ba image. Bozomo la ba image. Oya, 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 oya. Eh, le master de la presse, le propriétaire des dossiers. N'a récupéré le dossier au lissus. N'a bamba, bamosko lelo. Salut mesdames et messieurs, salut aux warriors de Monsieur Fally Poupa, salut aux fans et mélomanes de la bonne musique, salut à tous mes abonnés, merci du fond du cœur de continuer toujours à être là. Hier on était chaud à chaud parce qu'aujourd'hui c'est le master qui va travailler. Parce que vous avez déjà vu la vidéo. D'abord je vais vous demander à faire quelque chose qui me touche à cœur, c'est de liker cette vidéo, liker massivement, laisser un commentaire, abonnez-vous, activez la cloche de notification et regardez des vidéos jusqu'à la fin. C'est très 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 important car vous allez être informé. Il y a des choses qu'on ne dit pas au début, mais on dit à la fin. Il y a des choses qu'on ne dit pas au milieu, on dit ça au début et à la fin. Donc il faut regarder des vidéos jusqu'à la fin. Ça fait tellement plaisir, voilà. Aujourd'hui, j'ai amené cette émission 100% Fally Poupa pour parler du concert de Fally en Angola. Nous allons parler rien que la vérité. On va vous dire que la vérité aujourd'hui avec deux preuves. Voilà, ça c'était les premières images que vous avez regardées de l'Angola. Avant de commencer, nous allons d'abord regarder la position de Fally Poupa à ce qui concerne l'album Formule 7, bientôt déjà 2 mois, Toroko Kisa, l'album Naeza Wapi. Et puis nous allons entrer maintenant dans notre vif sujet. Voilà. L'album Formule 7, c'est bientôt déjà 2 mois. Je vais vous dire, l'album se vend comme de petits pains. Aujourd'hui, à l'heure que je fais cette émission, l'album occupe la 13e place sur iTunes Afrique du Sud. L'album occupe la 38e place sur iTunes France. Le niveau de direct, l'album Formule 7 a fait mieux que Tokos, Tokos D a fait mieux que Control. Donc attention, attention, cet album peut devenir disque d'or dans le futur. Donc l'album est à la 38e place au classement téléchargement iTunes France, j'ai bien dit. Donc l'album ne quitte pas le top téléchargement iTunes France. Si nous regardons par exemple au Burkina Faso, l'album est aussi à la 53e position alors que l'album est aussi premier là-bas au Burkina Faso. Cet album est en train de se vendre comme de petits pains. Les faits, c'est ça avec Fally Poupa. Azo Teka, Azo Beta, Azo Salamakam. Nous allons parler de ces sujets-là dans cette émission. Voilà, si nous regardons maintenant Apple Music, quand vous êtes en train de voir la photo, sur Apple Music, on a Cameroun, Tchad, Côte d'Ivoire et République of Congo, donc République du Congo. L'album est à la pole position depuis sa sortie, depuis l'album Ebimati, Lelo Falaise en numéro 1 de téléchargement sur, au Cameroun, Tchad, Côte d'Ivoire, Congo-Brazzaville, comme on a l'habitude de dire. Maintenant, on regarde Guinée, Fally, deuxième position. Bénin, 3e position. Angola, 4e position. Belgique, 11e position de téléchargement sur Apple. Sénégal, 11e. Kenya, 11e. Koweït, 13e. Mali, 13e. Ouganda, 16e. En France, sur Apple Music, Fally Poupa est 19e. Et puis, on voit la Tanzanie, 33e. Et puis, on voit Luxembourg, 89e. Et puis, la Suisse, 89e et la Turquie 89e, donc ça fait tellement plaisir avec cet album. Si nous regardons maintenant des singles qui sont en train de vendre, Alliance vient aussi faire son entrée dans ce classement, donc sur vente. Donc Alliance occupe aussi beaucoup de places sur par exemple Apple, Cameroun, Côte d'Ivoire, République of Congo, Tchad. Alliance est là. Si nous regardons la chanson qui n'a pas encore quitté ce classement, c'est Mayday. Mayday bientôt va totaliser aussi 1 million de vues sur YouTube. Et dans ce classement, le titre Mayday est toujours là dans de vente numéro 2 en RDC sur vente. Et puis à Apple RDC numéro 2 aussi, sur YouTube numéro 2 aussi. Et puis
Cameroun, Côte d'Ivoire, Angola et puis d'autres pays, Médé et Tante. Si nous regardons maintenant SL, SL a plusieurs pays en vente. Donc, on a par exemple Côte d'Ivoire, SL en téléchargement, la chanson elle est numéro 1. En RDC, 3e. Cameroun, 10e. Mali, 12e. Et puis Guinée, 20e. Bénin, 23e. Tchad, 28e. Sénégal, 48e. Et surtout en Angola, la chanson à 91e place. Et puis, on regarde Tchad et on regarde 10e, 2e en Côte d'Ivoire et au Sénégal qui a la 51e place. Voilà, ça c'est ce qui concerne l'album Formule. C'est Bozo Monasco, Masolonde, Zosalema, Izobeta, Izotekama. Et puis, c'est ça les choses vraies que nous devions parler vraiment de Fally Ipupa. Comme on a vu la première vidéo, ça c'était là où j'ai parlé de ça vite fait, comme ça on va mettre la deuxième vidéo. La première vidéo qu'on a vue, c'était là où Fally Ipupa mettait le feu au stade. Nous allons vous expliquer aujourd'hui, le master est toujours là, soyez calme. Je vais vous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui a fait que ce concert puisse être tardé, qu'il fallait un matin à 23h. Je vais vous expliquer, restez calme, il y a des détails, il y a des choses que nous allons parler. Fally est entré, comme vous êtes en train de voir la vidéo, il a chanté Amour, il a chanté plusieurs chansons. Ici déjà, Fally commençait déjà à faire la fête avec des Angolais. Alors que c'était l'heure tardive et personne ne voulait partir, ça chantait Toro Kendete, Toro Lala, Awa, Babou Mabiso, il a Fally à Mona. Parce que c'était tellement plein, c'était tellement grave dans ce concert de Fally Ipupa. Les effets de Fally Ipupa commencent à déranger des gens. Il y a des gens qui étaient seulement prêts envoyer des infiltrés au concert de Fally Ipupa pour juste filmer avant le concert. Quand Badouazo Kotaka a fait du contrôle, c'est lui qui est entré en premier. Il prend son téléphone et pour filmer et faire des photos et balancer sur internet pour dire que Fally Ipupa Salim Piaka. Alors qu'à l'extérieur, il y avait encore des contrôles. Les gens devaient passer 5, 4, voire même 7 barrières avant d'entrer au concert de Fally Ipupa. Pourquoi? On va vous dire dans cette vidéo. Maintenant, tous ces aigris-là, tous ces bandes des ignares-là, se sont mis d'accord d'envoyer des infiltrés en Angola dans Bato Bazaba Fan Nabango. On les a envoyés au concert de Fally en Angola pour faire des photos avant le concert et pour filmer avant le concert. Ils ont maintenant commencé à sortir des images avant le concert. Et nous, comme on avait aussi nos warriors là-bas, comme ma présence était aussi là-bas en Angola, parce que moi je suis ici, Naza Pekuna, Naza partout, Fally Azali. Je suis partout là où Fally est là. Je suis comme un esprit. Maintenant, quand mon esprit était là, moi, je dis non, nous allons démentir ça avec des vidéos. Parce que moi, je voulais que vous donniez une émission et une vidéo de concert. Comme ils ont commencé à faire des bêtises, vous avez même vu des vidéos que j'ai fait. Vous avez trouvé quelque part ici à la fin, l'autre va sortir aussi. Vous avez vu vous-même que non. Je fais ce vidéo avec des images de l'extérieur d'abord. D'abord des images de l'extérieur, parce que j'ai fait deux vidéos hier, des images de l'extérieur avec ma voix, parce que je n'avais même pas le temps de faire des émissions. Je partais faire mon sport, j'avais d'autres choses à faire, mais quand même, comme on est là pour défendre Fally, comme on est là pour parler de vraies choses, comme on est là pour démentir, on est toujours obligé d'être là. J'étais toujours obligé. Des images que vous êtes en train de voir, c'était des images à l'extérieur où on bloquait d'abord les gens. Les contrôles s'est fait très mal, les choses se sont fait vraiment très mal. Malgré tout ça, les gens ont pu accéder au stade les stades là-bas, je ne sais pas comment on appelle ça très très bien. En Angola, seulement au Luanda, les gens ont pu accéder et vous avez vu le plein à la fin. C'est que nous, on constate, ça fait un sold out parce qu'on va vous expliquer pourquoi le concert a fait un sold out. Voilà, nous allons prendre la deuxième vidéo de ce concert. Comme ça, vous-même, vous allez voir, est-ce que Pierre Zalarabongo, est-ce que Zalaraboué? Comme ça, on va attaquer ceux qui sont des sorciers. Ça, c'est une vidéo du concert. Quand Fally Ipupa est monté maintenant au podium. Prenons la vidéo de Fally. Ah, Fally Azomata. Voilà. Street Live. On va vous montrer toutes les images. Voilà. Amour assassin.
regardez vous-même comme on filme, hein. On filme de partout. C'est pas seulement devant comme le concert de Ikea Canada. On filme de partout. Bon, on a la caméra des Obaluka. Bon, au moins des caméras Obaluka. Voilà le Warrior. Maintenant, vous allez me dire que, est-ce que, Oyo, des images qu'on est maintenant en train de voir, est-ce que c'est ce qu'on appelle Piaka, c'est ça? Tolobate. Non, moi, j'aime dire avec de preuves, hein. Moi, j'aime pas parler en vain comme ça. Dites-moi, vous, Batomayelo, vous êtes à la émission, oh, les gens qui sont intelligents en train de regarder cette émission, dites-moi maintenant, est-ce que la vidéo que je vous ai présentée, c'est ça qu'on peut appeler Mpiaka? La vidéo qu'on est en train de regarder quand je parle maintenant, c'est pas filmé fixe. C'est filmé que non, on filme même les pourtours. Donc, la vidéo marche comme ça. Là, on est en train de filmer partout. On vous a montré des images de tous les coins de ce concert. On vous a rien caché. Fally n'est pas un artiste mythe. Fally n'est pas un mytho. Il ne fait jamais des bêtises que des artistes musiciens congolais font. Bah, il y a cause à opinion publique. Nous, on ne fait pas de la musique des mensonges. Si Fally faisait un piaque, on allait vous dire que oui, le concert n'a pas marché. Et on n'allait jamais chercher un sorcier derrière ce concert. On n'allait jamais dire aussi, le concert de Fally n'a pas marché, c'est Tilapia, c'est Biakanabe, c'est Vieux Jaloux Kofi. Non, on allait dire que non, les gens ne sont pas venus, mais c'est faux, les gens étaient venus au concert de Fally. Contrairement au dur des jaloux, on n'a rien caché les Warriors, on n'a pas... Moi, parfois les gens vont croire que non, toujours les là. Non, on n'a rien à dire, on n'a rien à se chamailler avec des sorciers et des aigris et des personnes stupides. On n'a rien à se chamailler avec eux. Car le concert a été une réussite totale. Maintenant, nous allons parler de ces fameux concerts parce que l'hypothèse et l'excuse d'Mpiaka n'a pas marché. Bah, ils ont préparé des gens, des infiltrés. Ils ont dit, non, prenez la première place. Les gens sont venus 3h, 4h avant. Juste pour prendre la première place devant la file indienne. Pour que Bakota avant et filmer le concert au moment où les gens entraient. Honte à vous. Grand honte à vous. Honte à vous. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens sont venus. Quand les gens entraient, ils ont laissé des files indiennes à l'extérieur. Bakoti. Bah, comme qu'on filmait concert, parce que dans ce concert ici, c'était d'abord, on faisait d'abord entrer des gens qui étaient pour le VIP. Parce que le concert était deux niveaux. Attention, c'est comme si le concert de Fally au Stade Martin. C'était fait en deux niveaux. Donc, VIP et concert Yabat. Bah, ta VIP va foutre, il va 300-400$. Il y avait même des tables à 1000$ dans ce concert-là. Table à 1000$. Donc, qu'est-ce qui se faisait? La police et l'organisation ont pu privilégier les gens qui avaient des billets de VIP et ils devaient d'abord entrer en premier. Et les autres allaient entrer après. Le problème est quoi? L'air qu'ils ont commencé à ouvrir des portes pour l'entrée des gens, ça fait mauvais. Et d'abord, le producteur voulait gagner son argent parce qu'il fallait, on a déboursé plus de 80 000$ pour Fally pour pas y regarder le podium professionnel que le Messi. Donc le concert déjà a coûté aux organisateurs, à la production, à peu près plus de 120-130 000$. Et si vous donnez 130 000$ à un concert pareil, le cachet de Fally, le voyage des artistes et surtout ce concert a été annulé, a été reporté deux fois. Le concert a été reporté deux fois. Donc les producteurs devaient gagner l'argent. Les producteurs devaient bénéficier de l'argent. Ils devaient d'abord rembourser l'argent qu'il a dépensé et ils devaient aussi récupérer son argent. Et les producteurs ne voulaient pas que quelqu'un puisse entrer là-bas avec un faux billet qui va fumer là-bas porte comme on a eu l'occasion au concert d'Héritier Watanabe. Les producteurs ne voulaient pas que cet effet-là ça puisse se faire. On a bloqué des portes. On a fermé des portes pendant au moins 2 heures du temps. Parce qu'ils ont commencé à ouvrir des portes à partir de 19h. Si on bloque les portes pendant 2 heures du temps, ça se fait combien? 21h. Quand est-ce que Fally va monter? Quand est-ce que tout le monde là va entrer? Parce que le contrôle devait se faire. On a commencé à donner d'abord l'aval aux gens de VIP. Ça, c'est l'histoire de l'Angola. On a d'abord donné l'aval à ta VIP, à Kotano, à ta Liboso, parce qu'ils ont déboursé beaucoup d'argent. Donc, il faut avoir une place là-bas. Il y a des tables à 1000$ dans ce concert-là.
Et personne ne le dit. Il y a des tickets à 300 dollars, 400, 500 dollars dans ces concerts-là. Et personne ne le dit. Les concerts des Fally, pour pas, contrairement à ce que les gens sont en train de dire, il y a des VIP qui étaient pleins de personnes, plus de 4, 5 000 personnes de VIP, des gens qui cherchaient des billets VIP. Où ils devaient amener des enfants, des femmes, des maris, des cocos, de tout ça. Des grandes-mères et grands-pères. Donc, du coup, on a privilégié les gens de VIP. Ça a pris du temps parce qu'il y avait aussi beaucoup de monde là-bas. Et les contrôles étaient 4-5 barrières, comme les gens vous ont dit dans la vidéo d'hier. Donc, on ne devait pas laisser quelqu'un entrer gratuit car le producteur devait gagner de l'argent. Il a dépensé. Vous savez qu'il fallait, pour ne pas faire ses déplacements, la première de file n'a pas voyagé. Mais quand même, il y avait la promotion. Les gens ont payé l'argent de la promotion pour le concert de Fally, annulé parce que, reporté parce que Dos Santos était mort. Après ça, il y a eu la pluie, alors que Fally a fait le déplacement. Le concert a été reporté. Tout ça, les coûts là, moi je suis du marketing, je vous dis. Les coûts marketing là, les coûts promotionnels de ces fameux concerts, le voyage de l'artiste musicien et ses musiciens, les hôtels prépayés des hôtels, parce qu'on on prépaye l'hôtel. Comment on appelle ça encore en français, j'ai oublié. Donc, on réserve, voilà, on réserve l'hôtel pour l'artiste et ses musiciens et son groupe. On va réserver un podium. Le producteur devait gagner l'argent, c'est pas des mythes, c'est pas des blagues. Vous voyez ça comme ça, oh, concert a Fally. Non, c'est du matière flic. Fally, dans son concert en Angola, les portes n'étaient pas offelées comme le concert des héritiers en RDC. D'abord, la sécurité, elle était là jusqu'au don. D'abord, dans un pays comme Angola, c'est un pays de risque. En Angola, il y a tout le monde qui a des armes. Vous tous, bateau, babana, en Angola, tout le monde qui sont en train de regarder cette vidéo, ça. On a attaqué le cortège de l'équipe de Togo avec Cheikh Emmanuel Adebayor. Trois personnes sont mortes. On connaît ça. Un pays comme Angola, les contrôles doivent se faire à ce niveau-là parce qu'un concert comme le stade, c'est pas Atlantico. Atlantico, ça prend au moins 4 000, 3 000 personnes. Les stades devaient prendre 12 000 personnes au Ebavandarana pour tour. Les gens de Porto devaient être 12 000. Et si on prend les gens du Pelouse, les stades devaient au moins occuper 20 000 personnes. Au moins occuper 20 000 personnes. Et le fait que les producteurs avaient dépensé déjà depuis le premier concert reporté, deuxième concert reporté, il devait toujours gagner son argent. Et c'est ça qui a fait que non, Bakbako Tanareta, Fally a Matanareta. Les gens m'ont écrit hier, oh non, Fally fait des erreurs, pourquoi il n'a pas commencé ce concert en avant? C'est pas sa faute. La faute n'est pas à l'artiste. L'artiste était là à l'heure. La faute était, je ne sais pas si à l'organisation, mais l'organisation a dit à l'artiste, on doit gagner l'argent. Même si le concert va faire 1 heure, 2 heures de temps. Mais nous, on doit gagner l'argent. On a beaucoup dépensé. On doit laisser personne entrer gratuit. Il n'y a personne dans ce concert-là va vous dire. Même les gens que l'Olympia Canab a envoyé, les Kofi ont envoyé, les JB et consorts pour filmer avant le concert. Tous ces gens ont payé leurs billets. Ils étaient contraires à acheter les billets pour venir au stade pour dire des bêtises pareilles. Dans ce fameux concert, il n'y a personne qui est entré gratuit. Moi, je vous dis, je suis... En guise de cause, je dis des choses vraies, tout le monde le sait, avec pièce contre pièce. Dans le concert de Fally Ipupa, il n'y avait personne qui est entré gratuit. Tout le monde a payé son billet, tout le monde a acheté son billet. Il y avait des billets, des tickets à 20 000, à 1 000 euros de table pour 5-4 personnes. Il y avait des tickets achetés à VIP 300 euros. Les gars ont réussi son concert. Les gars a relevé le défi. Les gars a mis la barre très très haute. Les Congolais, quand ils viennent en Angola, ils font des concerts où? Il y a Piakanabe là qui a fait un concert chez Toudilo. Ça même pas 200 personnes là-bas. La place de Toudilo là, même pas 200 personnes. Les Congolais, quand ils viennent là-bas en Angola pour faire des concerts, c'est pas des stades. Atlantico occupe 3000, 4000 personnes plus. Atlantico n'occupe pas beaucoup de monde. Les stades là de Fally Ipupa que vous êtes en train de voir des images devaient occuper 20 000 personnes. Vous savez comment est-ce qu'il n'est pas facile à faire déplacer 20 000 personnes à un pays extérieur
Fally n'est pas un Angolais, il ne fait pas la musique pour les Angolais, on doit se dire. Il fait la musique pour l'Afrique, bien sûr, mais ce n'est pas un Angolais, ce n'est pas son pays. Et tous nous savons que Fally n'a pas pu faire la promotion comme avant. On ne se lamente pas, mais la vérité que Fally a rempli ce stade-là, il a rempli le défi. Il a mis les images sur son compte Instagram. Les images sont là. Je ne sais pas quelle image vous allez chercher. On a filmé les pourtours, on a mis les lumières. Fally ne cache rien. Toutes les images que vous êtes en train de voir avant, que les gens disent Piako, c'était des images quand le concert, soit c'est fini déjà. Soit avant le concert, il n'y a aucune image de Fally pour passer au podium et il n'y a personne. Si vous filmez un trou là, qu'il y a cinq personnes qui ont manqué, peut-être bah, quelques toilettes, peut-être ils ont changé de position. Ça arrive, vous ne pouvez pas dire c'est un piaka. C'est quoi ça? Filmer un trou où ça peut mettre que 10 personnes, 5 personnes dire oh, bon, t'as la place vide, désolé. Vous êtes fou, malade? Vous êtes fou, malade? Voilà, ça c'était le concert. D'abord, je vais bloquer avec les sujets. Est-ce que savez-vous que tous ces artistes-là qui ont envoyé des gens pour dire que le concert de Fally Ipupa a bloqué l'internet hier soir, ils ont des chansons, des clips, ils ont sorti. Qui parle de ces chansons-là? Qui parle de ces clips-là? Ils ont mis ils ont les marques. Vous commencez à payer même des TikTokers l'argent pour faire des challenges forcés. Fallait alors que les challenges se sont faits par des blancs, des noirs, des jaunes, des rouges. Jusqu'à présent, l'album, ça se vend. Bobby va dire, Bobby va album, Bobby va clip. Et Zobetawapi. D'abord, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut regarder. JB, tu as un album. Ça joue où le bal de match? Qui connaît une chanson de bal de match? Kofi, tu as un album. Légende, ça joue où? Qui connaît une chanson de légende? Qui connaît même la partition de légende et la partition de bal de match? Tilapia, tu as une chanson que tu as sortie, ça joue où? Les clips, ça passe où? Il faut d'abord relever les défis de soi-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Piakana, t'as fait l'Olympiaque en RDC. Dans ce pays-là, en RDC, il ne faut pas se voiler la face. Dans ce pays-là, en RDC, il n'y a qu'un seul artiste qui fait plus de 15-20 pays l'année. Je vous mets un défi. Tilapia, depuis l'année passée, il a fait combien de concerts à l'extérieur des RDC? S'il quitte la RDC, c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pour le Brazza, c'est pour l'Angola. C'est fini. Pierre Kanabe, il a fait et combien de concerts? Je sais pas. En Angola, oui, en Angola et Brazza, c'est tout. Kofi, lui quand même, il a fait quelques pays, les Guinées, ouais, lui un peu, il a un peu bien. JB, il fait où? Zéro concert à l'extérieur. Mais vous allez se mesurer à un artiste comme Fally. Vous allez parler d'un artiste qui fait plus de 20 pays l'année. Il fait des voyages, des concerts partout dans le monde. La tournée américaine, la tournée européenne, la tournée africaine. Vous allez se mesurer à une personne pareille. Vous êtes fou, quoi. Les albums sont sortis. Bozo te kawapi. Bozo te kawapi. Vous êtes malade, vous. Bozo te kawapi. Confie les gens de nos te kamawapi. JB, Babylon, les autres, Bozo Kawap, écrivez, faites rigoler la charte position. Vous allez voir si ça, il est en train de vendre dans combien de pays. Écrivez Fally Ipupa sur Google charte position, vous allez voir combien de pays. Écrivez JB Piana charte position, écrivez Koffi Olomide, et c'est là que vous allez comprendre. Ce débat est un faux débat. On a déjà clos ce débat il y a longtemps, mais on doit toujours dire, parce qu'il y a des ignares et des aigris, des sorciers qui n'ont même pas compris. Voilà. Je vais mettre un terme à cette vidéo. Ils sont là, stade Yangolais, s'il fallait à Sali plein, à Tondi, s'il a frappé. Donc, on n'a rien à dire. On n'a rien à prouver. On a montré des images vraies. On n'a rien caché. On vous a dit la vérité. Et nous, on est là pour vous dire la vérité. Nous, on est là pour seulement, s'il fallait avec Fempia, qu'on allait dire oui, le concert n'a pas marché. On n'allait pas chercher des boucs émissaires. On n'allait pas chercher des raisons. On n'allait pas chercher. Non, le concert a été une réussite totale. Fally a réussi son concert. Fally a relevé les défis. Fally a fait le plein en Angola. C'est ça la vérité. Voilà, c'est ça la vérité. Votre humble serviteur et défenseur de Fally Ipupa, porte-parole de Warrior. Voilà, c'est le master de la presse. Voilà, ici, pièce contre pièce, vérité contre vérité. Likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Et s'il vous plaît, partagez mes vidéos dans vos liens sur Facebook. Prenez les liens, partagez-les dans vos groupes respectifs, pages respectives, tout ce que vous avez. Partagez la vidéo sur Instagram
WhatsApp, envoyez les gens, ça fait plaisir d'agrandir la communauté Warrior.